Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique. Et bienvenue sur ce 32e épisode de notre aventure sur Alice Madness Return. Et avant de plonger dans le prépuce de ce petit bonhomme, je vais essayer de visiter deux, trois petits trucs comme ici, par exemple. Enfin, de visiter. De ramasser quelques petits détails. C'était énorme, d'accord, je croyais que c'était un souvenir, c'est pour ça que je disais plus rien. De ramasser quelques petits détails. Mais qu'est-ce que je raconte comme conneries, moi? Bref, il y a un truc qui m'intrigue là-haut. Je voudrais voir ce que c'est. Je voudrais essayer de voir ce que c'est. Par contre, c'est bien trop haut pour que je puisse l'atteindre. Ok. Loupé. Ça ne fait absolument rien. Mais je comprends pas, c'est quoi ce truc? Puis comment je fais pour l'atteindre sur tout ça? En fait, je peux pas l'atteindre. C'est beaucoup trop haut. Ouais. J'ai cru voir un truc briller de l'autre côté là-bas, mais... Non, c'est juste un reflet. C'est juste un reflet, ok. Je suis désolé, j'essaye de... voir si je loupe rien, mais a priori c'est pareil, j'ai aucun moyen d'atteindre cette plateforme là-haut. Non. Bon bah très bien. Et donc nous sommes en face du fort de la résistance. Ces espèces de poupées, enfin mi-poupée, mi-humain, mi-psychopathe, mi tout ce que tu veux. Tiens d'ailleurs ils sont là en train de me regarder. Oh la vache, ils font flipper quand même. Bon, c'est pas grave. Allez, on avance. On avance. On va essayer de finir ce jeu aujourd'hui. De toute manière, je vais prendre un maximum d'avance. De faire les choses bien. Je dois vous avouer que j'ai plus grand chose à dire sur ce petit jeu. Enfin, sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. J'en ai quand même dit pas trop mal, je pense. J'en ai quand même dit un paquet. Ne vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de choses à dire. Faut juste que je fasse les choses comme il faut, comme il se doit, pour ne pas raconter trop de merde. Voilà. Il est bien connu que celui qui dîne avec le diable doit avoir une très longue cuillère. Pardon. Il est bien connu que celui qui dîne avec le diable doit avoir une très longue cuillère. Je comprends pas. Je comprends pas cette phrase. Ok, voix des grenouilles. C'est immonde, immonde. Devoir passer là-dedans. Ça fait froid dans le dos, putain. Ok, bon, bah très bien. En tout cas, l'espèce de mini-boss poupée, là, c'était de la merde. Voilà. Ah, un petit de petit. La dépendance est une vertu, selon le lieu. Merci beaucoup le chat. Humpty Dumpty, c'est l'œuf perché sur le haut du mur. Attends, comment c'est la comptine déjà? Je l'avais noté quelque part, il me semble. Ouais, c'est ça. Humpty Dumpty sur un muret perché, Humpty Dumpty par terre s'est écrasé. Ni les sujets du roi, ni ses chevaux ne purent jamais recoller les morceaux. C'est une comptine qui... C'est l'un des personnages les plus inutiles de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, c'est un personnage, tu le vois pendant 5 minutes, et puis après, c'est bon, c'est fini. Il y en a plusieurs, j'en ai déjà parlé aussi au début de cette aventure, des personnages comme ça que tu ne vois que très très peu longtemps, en fait, au fil de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Un petit, ouais, c'est un personnage qui est particulier, en fait. Il y avait un truc comme ça qui était dans... Je crois que c'est dans...
C'était dans un bouquin. Je crois pas que ce soit un bouquin qui soit à l'origine, qui parle de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Mais un espèce de bouquin de policier anglais, avec deux inspecteurs qui parlent d'Humpty Dumpty, enfin... Je sais plus comment c'était tourné, j'essaierai de vous retrouver la phrase, et puis je vous la mettrai en fin de cet épisode. Enfin, c'est de la phrase. C'était pas une phrase, c'était carrément une discussion, en fait. J'essaierai de vous la retrouver, je vous la mettrai en fin d'épisode, ça pourrait être sympa. Voilà, si j'y pense. Ok. Bien entendu, encore un personnage qui provient d'Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'est un petit soldat de bois que l'on pourrait apercevoir dans Casse-Noisette. Tout le monde doit connaître, hein, je pense. De toute manière, c'est un truc qui est assez. Il y a une main avec. Ok, qui m'indique le chemin. J'imagine que ça va m'ouvrir cette paroi, ça va m'enlever cette paroi. Voilà. Et je sais pas, je suis en train de me demander parce que du coup, il y avait le premier bouquin le premier gros bouquin qu'on a croisé depuis qu'on est dans ce niveau-là, c'était le bouquin sur le Jabberwocky et là celui-ci c'était sur Humpty Dumpty, mais je sais pas. J'ai loupé une dent là-haut. Je sais pas si je crois pas qu'il y a un bouquin qui soit qui soit entièrement dédié à Humpty Dumpty. Il y a une plateforme de saut là, c'est. J'imagine que cette plateforme va se retourner. Merde. Voilà, 727. Ouh, mais je suis pas loin. Je sais plus combien il m'en faut de dents pour la théière. Je vais attendre. Voilà. Combien est-ce qu'il m'en faut? Eh ben, parfait. 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 Elle est badass. Ok, et du coup, bah, c'est bon. J'ai déjà tout amélioré. Jusqu'aux dents. Alors, la gueule qui est là un peu. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah c'est parfait, tout ceci est délicieusement parfait. C'est chiant, je peux pas monter sur les trucs, il y a des murs invisibles, là, c'est vraiment casse-couille, ça. Il y a des dents là-haut, putain, mais... What? C'est un des deux jumeaux, là, ou... Ça pourrait bien être ça, en tout cas, là, c'est plutôt bien foutu, parce qu'en fait, vous voyez, là-haut, la nacelle sur laquelle est attachée la petite balançoire. Faut savoir que les deux jumeaux, Humpty Dumpty, et pourquoi ce toit bouge. C'est chelou. Faut savoir que les jumeaux Humpty Dumpty... Pardon. Les jumeaux Tweedledee et Tweedledum, les jumeaux Tweedle, ont chacun une casquette dans l'original, enfin dans l'histoire originale d'Alice au Pays des Merveilles. Ils ont tous les deux une casquette qui est en stries comme ça, blanc et rouge, qui représentait un petit peu les sucreries de l'époque. Vous savez, à cette époque-là, on avait souvent des sucreries un petit peu comme les harlequins qu'on connaît nous maintenant. Et voilà, elles avaient ces couleurs-là. Les harlequins qu'on a nous maintenant en 2014, ils ont plein de couleurs. Hein. En général, il y a du blanc, du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Enfin, c'est le truc arc-en-ciel, c'est les bonbons de la Gay Pride. Et à cette époque-là, les bonbons de ce genre-là, ils étaient seulement rouges et blancs comme ça. Voilà, enfin bref. Cette casquette est là pour rappeler le fait que ces deux jumeaux ne veulent pas grandir, un petit peu dans le même thème que Peter Pan, hein, c'est des adultes qui ne veulent pas grandir, mentalement je parle. Et donc du coup ils ont une casquette, voilà, qui a cette couleur là, qui a des stries rouges et blancs comme ça, et une petite hélice comme ça sur le haut de la casquette, voilà. C'est...
Voilà, c'est juste ça m'a fait penser à ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais. Ah, mais j'aime bien référer ce genre de petit clin d'œil, quoi. Au moins. Au moins, je sais que je parle de quelque chose que je connais. Et c'est ça qui est bon. Oh! Le lapin blanc, oui. C'est la première fois qu'on le voit dans depuis le début de l'aventure. Enfin bon, c'est pas lui, je sais très bien que c'est qu'une poupée, mais... En tout cas, s'il est comme ça, il est vraiment bien représenté, j'aime beaucoup. Chaque enfant a un destin. C'est aux adultes qu'incombe la lourde responsabilité de guider les jeunes personnes. Ah putain, j'avais pas vu, mais c'est génial! J'adore ce genre de truc là. Le fait que les baraques soient montées à l'envers comme ça, c'est vraiment super bien foutu. Bon, c'est clairement représentatif de la folie, hein, on est bien d'accord, mais... C'est vraiment génial. Il y avait... je vais faire une petite pub comme ça, complètement gratos, mais... Fanta et Bob, ils avaient fait une... ils avaient fait un, comment, une petite série comme ça sur des maps Minecraft. Qui était renversé comme ça. J'ai vraiment trouvé ça génial, quoi. C'est... J'adore ce genre de perspective, en fait, des constructions qu'on a l'habitude de voir dans un sens, et tu retournes tout, et là, ça change absolument toute ta... Toute ta... Comment dire... Bah, toute ton interprétation des choses, en fait, tout simplement. Okay. Toujours un thème musical dans ce jeu qui est toujours aussi glauque hein, dans chacune des zones. Tac, tac. Des chiffres un petit peu partout qui ne sont pas sans rappeler le jeu de la marelle, hein, comme je l'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt. Voilà. En tout cas, on est dans le numéro 5. Ça prouve bien qu'on est dans le bon ordre. Qu'on est là où il faut être. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors du coup, ça me sert plus à rien de ramasser des dents, là. Je suis en train de penser. J'ai amélioré toutes les armes, j'ai déjà amélioré tout ce qu'il y a à améliorer. Et les dents ne me servent à rien d'autre qu'à cela, donc... Je vais les ramasser quand même, mais bon. Je trouve ça un petit peu débile, quoi. D'accord, en fait, c'est un piège. Il y a des lames dans le dos et devant. Mais c'est dégueulasse! C'est immonde. Bref. Comment je suis déçu de cette tenue. Là, il y a un truc pour le... Pour une plateforme de saut, là, en fait... C'est chelou. Ouais, parce qu'elle est en dessous de cette plateforme. Ouais, je comprends pas tout là quand même. Il y a toujours ce toit qui bouge là, qui est vraiment complètement bizarre. Ah ok, bah c'est bon. C'est bon, j'ai compris ce qui va se passer. Ça va retourner la plateforme. Le truc de saut va apparaître. Voilà. Impeccable. Oh, intéressant. Voilà. Les preuves sont nombreuses. Toute créature a un destin. Il est de mon devoir de trouver celui de ces jeunes personnes, qu'il soit ornemental ou utile. C'est de l'histoire. C'est de la mythologie. J'aime beaucoup sa voix, lui, par contre. J'aime beaucoup cette voix rauque et ténébreuse. Non, en mode, c'est de l'histoire. Ah, ça passe. Ah d'accord, toi t'apparais dans un trou noir comme ça, en pleine paix. Bouffe. Et bouffe. Et bouffe. Et ta gueule toi. Et bouffe. Je t'ai foutu à poil ma grande. Alors qu'est-ce t'en dis?
Merde, faut que ça se recharge. Oh, ça te fait mal? Bim! Wow! Calme-toi! L'autre, elle me crache à la gueule, mais c'est dégueulasse, putain! Tes parents t'ont jamais appris les bonnes manières? Voilà! Maudite peste! Tac, 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 ok, très bien. Et du coup, bah, je me demande vraiment si les dents vont me servir... Donc je suis en train de ramasser, vont véritablement servir à quelque chose pour la suite de l'aventure. Peut-être qu'on va retrouver encore une autre arme secrète, mais je pense pas, parce que quand on est dans le menu principal, on peut voir toutes les armes qu'il y a débloquées, machin. Et là, on peut voir surtout qu'elles sont déjà toutes débloquées. Donc je sais pas. Donc je ne sais pas. Non, c'est pas ce que je vais faire. Alors attends, parce que ça m'a libéré plusieurs passages là. Ça m'a l'air d'être un bordel. Ça m'a libéré un passage sur le côté là-bas. Puis vu que je suis un âne, j'ai pas véritablement regardé de quel côté c'était. Écoute, on va prendre ce qu'il y a devant nous. Ah, en fait, ça a libéré qu'un seul passage. Ouah, c'est pas passé loin, sa mère. C'est pas... Ah, fuck! ok. Donc ça, c'est activé ça. Ah, ok, c'est de ce côté-là. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Allez, fuck! C'est pas grave. Ah bah c'est bon en fait, oui. Non mais d'accord, je croyais que je devais tout me retaper. C'est pour ça que je me pressais, moi je croyais qu'il y avait absolument tout qui changeait. En fait non. Bon bah c'est bien, tant mieux. Oui. Ah non, ça glisse pas. Tu es déçu. Ah ok. Il y a un groin. Il est où le groin? Il est où le groin? Qu'est-ce que... Il y a des trucs, des bugs comme ça, c'est vraiment chelou ça. Je comprends pas tout moi. Bon bref. Cet univers est vraiment, mais alors vraiment bizarre quoi. À mon avis, il est juste en haut le... Je vois pas très bien où est-ce qu'il peut être le groin là. J'ai l'impression qu'il est de ce côté là, j'ai l'impression qu'il est en haut. Sauf que je le vois pas. Ah putain! Je m'en doutais. Mais du coup, je sais pas si c'est la... Je sais pas si c'est le bon passage, là. Mmh.
J'ai beaucoup de mal avec cet environnement, je dois l'avouer quand même. C'est vraiment, mais alors vraiment particulier quoi. Tout ce qui est maison de poupée dans le genre là, c'est. C'est chelou au possible. Ah non, mais attends, c'est par là que je dois continuer aussi. Je suis déjà allé voir ce qui se trame là de ce côté. Ouais. Je te disais, je suis tout le temps en train de changer d'avis et. Ah ha! Tu vois, en train de changer d'avis et de destination, mais voilà, c'est le problème. Il est dehors, hein, le groin. Il doit être dehors, je pense. Il ne peut être que dehors, de toute manière. Les yeux fermés, bitch! Eh ouais, c'est comme ça qu'on fait! Ça a changé quoi, là? Ça m'a ouvert un passage de l'autre côté ou... Pas moyen de le voir, le groin là. Ah non, il est pas là. Hein. Il est clairement pas là. Ouais, ça m'a libéré un passage a priori. Ah oui, mais oui! Merde. Ah, fuck! Ok. Pas grave. C'est pas grave. Putain, non mais t'es sérieux là? Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire! Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ça se pose. Je l'ai dit avec un tel enthousiasme ce truc là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis navré. Oh putain de merde. Bon! Ramenez-vous, bande de fiotasses! Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux? T'inquiète pas, tu vas en avoir, ma belle! Bim! non, mais non, je l'ai esquivé celle-là! Allez! Putain! Ouf! Ouf! Y'a bien du monde là, je trouve. Bim! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Salope. Fuck. D'accord, la musique a bugué, je crois. La musique a complètement bugué. Non, il est mort? Bon bah c'est le jeu qui a bugué. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon du coup, toujours est-il que j'ai pas vu le groin. Je crois que j'ai dû le louper. J'ai dû le louper. C'est pas bien grave. Là, on a une autre plateforme. Ah non, il est là. Bien ce qu'il me semblait, parce que ces trucs-là, je les ai vus tout à l'heure. Où est-ce qu'il se trouve? Pourquoi ça m'indique là-haut? Putain, il est où ce groin, là? C'est quand même incroyable ça, je le vois pas, bordel. Je l'entends, mais je le vois pas. Il est en dessous de moi. Il est tout proche en plus, hein.
C'en est pas... Oh putain, mais d'accord, je suis un abruti. Oh la vache, va t'acheter des lunettes, Nécros, quoi. Bah non, mais en même temps, tu vois, là j'avoue qu'il est vraiment bien placé dans le décor, quoi. Y'a pas de soucis là-dessus, hein. Putain. Ok. Intéressant, intéressant. Vous avez dit intéressant? Oui. 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 Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce dentier? Bon. Tac. Le docteur Wilson n'est pas dupe, Alice. La discipline est obligatoire. L'hygiène est en option. Même si vous croyez déjà tout savoir sur l'électricité, vous n'en savez même pas la moitié. Elle peut se montrer très pédagogue, très stricte, exigeante. Ok. Je comprends toujours rien, tous ces souvenirs, hein, de toute manière. J'y fais même plus gaffe, pour être honnête avec vous. Est-ce qu'il y a moyen de l'atteindre comme ça? Mais oui! Fuck. Oui, on peut, mais pas comme ça. C'était où, là-bas? Allez, accélère, Alice, accélère. On n'a pas toute la nuit. Voilà. Tu n'es pas une chatte, ma chérie. Toi, tu n'as qu'une seule vie. Je t'en prie, fais attention avec ces couteaux. Oui, parce qu'il faut savoir que la véritable Alice Liddell a fait une tentative de suicide. À force de rêver de ce monde merveilleux. Un coup, elle s'est taillée les veines. Ça n'a pas marché, mais bon. Ok. Oui, 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 sur Nécros TV, on parle de suicide. Oui, ça arrive, ça arrive. C'est des choses comme ça, c'est commun. C'est... Bon, il y a des trucs activés apparemment. Qu'est-ce que c'est que c'est ce cul jaune là qui ressort? Bizarre. Il y a beaucoup de plateformes, moi je trouve, quand même, sur cette partie là du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je peux plus ressortir. Cherche bien et tu trouveras souvent. Même si c'est trouvable. Même si c'est trouvable, alors que c'était marqué même dans un trou noir. Ouais. Oula. Oula. Bon, bah c'est bien. Il y a vraiment beaucoup de plateformes dans ce niveau-là. Beaucoup plus que dans les autres, j'ai l'impression. Il y a très peu de combats. Bon, en même temps, tu me diras, c'est pas plus mal. Ça m'arrange, parce que les combats ça va bien 5 minutes, mais bon, il arrive un moment ça commence à gaver, parce que tu fais tout le temps la même chose. Là ça change un petit peu, t'as moins de combats et plus de plateformes, non ouais, pourquoi pas, c'est un peu plus calme. Par contre cette musique commence déjà à me gonfler, hein. Je tiens quand même à le préciser. Enfin bref, et bah écoutez, sur ce, chers amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode numéro 32. J'espère qu'il vous aura plu, bien entendu, malgré le peu de choses qui se soient passées. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien. Bah, aïe, 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 aïe. Connaissez-vous Humpty Dumpty, monsieur? Qui est ça? Humpty Dumpty. Vous savez bien, l'œuf. Comme dans Humpty Dumpty perché sur un mur? Parfaitement. Humpty Dumpty sur un mur est perché. Humpty Dumpty par terre s'est écrasé. Ni les sujets du roi ni ses chevaux ne purent jamais recoller les morceaux.
Je ne comprends pas. Humpty Dumpty, l'incarnation la plus pure de la condition humaine. Écoutez avec attention, monsieur. Qu'est-ce qu'un œuf ? C'est ce qui n'est pas encore né. Un paradoxe, n'est-ce pas ? Car comment Humpty Dumpty peut-il être en vie s'il n'est pas encore né ? Et pourtant, il est en vie, ne vous y trompez pas. Nous le savons parce qu'il est capable de parler. Qui plus est, c'est un philosophe du langage. Lorsque j'utilise un mot, moi, déclara Humpty Dumpty d'un ton méprisant, il signifie exactement ce que je veux lui faire dire, ni plus ni moins. La question, dit Alice, c'est de savoir si vous pouvez obliger les mots à signifier tant de choses différentes. La question, répondit Humpty Dumpty, c'est de savoir qui sera le maître, c'est tout. Intéressant. C'est plus qu'intéressant, monsieur. C'est crucial. Écoutez attentivement et vous apprendrez peut-être quelque chose. Dans le petit discours qu'il tient à Alice, Humpty Dumpty esquisse l'avenir des espérances humaines et nous indique la clé de notre salut. C'est de devenir les maîtres des mots que nous prononçons, de forcer le langage à répondre à nos besoins. Humpty Dumpty était un prophète, un homme qui proférait des vérités pour lesquelles le monde n'était pas prêt. Un homme ? Excusez-moi un lapsus, je voulais dire un œuf, mais le lapsus est instructif et va dans mon sens, car tous les hommes sont des œufs d'une certaine façon. Nous existons, mais nous n'avons pas encore réalisé la forme de notre destinée. Nous ne sommes qu'un potentiel, un exemple de non encore arrivé. Car l'homme est une créature qui a chuté, la Genèse nous l'a appris. Humpty Dumpty est aussi un être qui a chuté. Il tombe de son mur et nul ne peut le reconstituer. Ni le roi, ni ses chevaux, ni ses hommes. Mais c'est ce que nous devons tous nous efforcer de faire à présent. C'est notre devoir d'être humain. Reconstituer l'œuf. Car chacun de nous, monsieur, est un Humpty Dumpty. Et l'aider, c'est nous aider nous-mêmes.